Est-ce que nous allons en effet aussi mal qu'on veut nous le faire croire ou qu'on ose le dire ? Chers amis, soyez les bienvenus ce soir dans ce magnifique endroit à l'occasion de la 5e édition de la soirée Presqu'île Estuaire Entrepreneur. La soirée Presqu'île Estuaire Entrepreneur réunit encore une fois plus de 700 chefs d'entreprise, 800 même. Vous voyez derrière moi un chiffre et là vous vous demandez qu'est-ce qu'il va raconter maintenant. Les neurosciences se penchent sur ce phénomène de comment se fait-il que des gens soient plus optimistes que d'autres, comment se fait-il que des gens soient plus heureux que d'autres et d'autres aient plus de chance que certains. Une bonne dose d'optimisme pour finir l'année, pour commencer 2016. Est-ce qu'on est optimiste ou on le devient ? Du plaisir, du bonheur, de la joie. On était venus là pour ça, ça tombe bien. Mais je me suis aussi revu dans les moments difficiles. Un peu d'optimisme, justement. De l'optimisme. J'ai assisté à la conférence qui était vraiment très sympa. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, le seul truc qui fait avancer, c'est vraiment l'optimisme. Matériellement, beaucoup de choses. Spirituellement, un réconfort par rapport à la position générale, entre autres au sein de l'entreprise. Mais j'ai dit peut-être qu'il faut que je déménage ici dans cette région. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement dynamique. Vous êtes incroyable ici. Vous êtes un public que je n'ai jamais vu avant. Vous m'avez fait vivre des trucs incroyables. Bravo. Vous avez une région extraordinaire et vous avez des associations et un groupe extraordinaire qui fait un super boulot. L'optimiste, c'est un état d'esprit, oui. C'est une attitude, c'est oui. De l'énergie. Oui. Mais est-ce que c'est naturellement transmissible ? Oui, c'est comme les maladies. Non, je rigole. Les gens sont ravis. L'intervention nous a tous beaucoup plu. Elle est empreinte d'optimisme. On aime bien ça, on a besoin de ça. Et les gens sont vraiment ravis de se rencontrer dans un cadre comme celui-là. Pour l'année prochaine, je suis très optimiste. L'optimisme, c'est aller chercher le meilleur. Chercher le meilleur de ce que vous voulez, c'est tout ce que j'ai à dire.